Mais ça urgent. Exterminer tous les organismes métroïdes sur la planète Z. Et détruire la forme de vie mécanique qui est Mother Brain. Mother Brain. Oh shit. Eh bien les amis, nous sommes partis pour une nouvelle aventure, un nouveau WT ensemble. Cette fois-ci, c'est sur Metroid Zero Mission, sorti en 2004 sur Game Boy Advance. C'est le remake du Metroid sorti sur NES. C'est parti, on va se lancer, jouer. Ok, alors là, j'efface cette partie, parce que c'est la deuxième fois que je lance l'enregistrement. Et oui, parce qu'il y a eu un bug, c'est super. Début de jeu, normal. C'est le vaisseau de Metroid, de Samus Aran. Qu'est-ce que je raconte, moi? La planète Z, c'est ici que j'ai vécu autrefois. Avant la guerre, bien avant que le mal ne hante les cavernes du dessous. C'est ici que j'ai livré ma première bataille. Ma mission Zéro. Ouh, quelle belle animation. T'as de beaux yeux, tu sais. Ok, c'est parti. Alors, on va commencer par se diriger vers la gauche pour récupérer le premier item, la boule morphine. Et oui, chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on n'a aucun item sur soi. On n'a pas de rayon spécifique, on n'a pas de costume spécifique, et on n'a rien d'autre. Donc voilà, donc là on récupère la boule morphine, et on va pouvoir se mettre en boule et passer les petits obstacles comme ceci. Oh, vas-y viens, voilà, je te pète, toi je te pète, oh, vas-y. Voilà. Bon, avec le L, je peux monter et descendre en diagonale mon canon. On est comme ça, on perd pas de temps. Mon canon, il est pas très... Aïe, tu fais mal, toi. Mon canon va pas très loin, là. Hein. On va remédier à ça plus tard. Ok, déjà, ici, il faut se mettre en boule morphine. Sur la statue Chozo. Donc là, nous sommes à Brinstar. La statue m'indique où je dois me rendre. Et en plus de ça, elle me redonne toute mon énergie. Si c'est pas sympa, ça. Allez, go. Ok, ici, on a une unité de sauvegarde. On va pas l'utiliser, parce qu'on en a pas besoin. Pour l'instant, en tout cas. Allez, on va monter. Ok, alors, eux, on peut pas les détruire. On pourra juste les glacer quand le temps sera voulu. Oh, je fais le fou, là. Oh, je fais le fou. Tu te calmes, Samus. Ok, ici, on peut pas y aller parce que notre canon n'est pas assez puissant. On pourra y aller un petit peu plus tard. D'ailleurs, quand on détruit un ennemi, on voit des espèces de boules roses. Ces boules roses, c'est de l'énergie. En haut, on peut voir... 99, ce n'est pas le numéro de Fraps, parce que je n'utilise pas Fraps. Non, c'est l'énergie de Samus Aran. J'ai 99 points de vie. Au fur et à mesure du temps, on va pouvoir augmenter cette barre de vie. Et là, je récupère le rayon long, c'est bien ce que je vous disais. Mon rayon n'est pas assez puissant pour aller assez loin, et maintenant avec le rayon long, on va pouvoir tirer un petit peu plus loin. Voilà. Permet d'atteindre une cible éloignée. Appuyez sur L plus B pour tirer en biais. Mon canon, il va quand même beaucoup plus loin. Là, on peut toucher les plafonds. Et on va pouvoir passer ces obstacles-là. Et on monte par là. Ouh là. Donc, je ne sais pas si je vais le terminer à 100% le jeu. Parce que je l'ai vraisemblablement jamais terminé à 100%. Je l'étudie en même temps que je tourne le WT. Pour essayer de vous proposer un 100%. Mais je ne vous garantis rien. Ok, donc là, on peut pas y aller. Ça c'est fait. Ah. D'ailleurs on peut plus prendre cette porte. Hein. La porte est devenue grise. Là c'est mort. On va se diriger vers la droite. Hein. Ok. Oh là. Non. Tu mourras pas toi. Vas-y. On spamme le bouton. Voilà c'est bon. On peut passer. Ok. Il y a encore une statue Chozo. Qui va me dire où il faut que j'aille. Oh, voyons, c'est en dehors de la carte, là. Va falloir se débrouiller pour y aller.
Ok, énergie complètement rechargée. C'était déjà à fond, mon petit pote, mais ça va. Ok, on va descendre prudemment. On a pas envie de se faire mal. Et voilà, qu'est-ce que je dis? On va prendre... cette porte-là, j'ai déjà prise. Ouais, j'ai déjà pris cette porte. On va descendre. Ok. Ah ouais, c'est là. Tu descends un petit peu trop bas, là, Samus. C'est par là qu'il faut aller. Voilà. Ok, là, on a une porte rouge. On peut pas l'ouvrir. On pourra l'ouvrir plus tard. On verra comment. Voilà, déjà, on va descendre tout en bas, voir qu'est-ce qu'il y a. Ok, une porte. Oula. Il y a une bestiole là-haut. Hein. Ouh, j'ai échappé belle. Et une recharge. Une réserve de missiles, une recharge de missiles. C'est pareil. Maintenant, je peux tirer des missiles avec R et B. Et on peut ouvrir les portes rouges, comme ça a été indiqué. Là, on peut pas y aller tout de suite. On verra plus tard. De là, toi. Voilà. Alors ça, c'est un spot d'énergie et un spot de missile. Quand on l'utilise, il repop à l'infini, l'ennemi là. Donc il suffit de tirer plusieurs fois dessus pour récupérer ce qu'on a envie de récupérer. Hein. Voilà. Ok, oh là. Bah, c'était cette bestiole là. Hein. Donc, il suffit de tirer dans son œil. Oh, salaud là. Là, il est en train de tirer ses pics. Il suffit de les casser pour récupérer un petit peu d'énergie. Ah, je te pète! Et j'ai réussi à le battre d'un coup. Parce qu'il y a la possibilité de le battre en deux fois. Hein. Moi, je l'ai eu en une fois, ça va très bien. Rayon de charge. Kesako. Charge maintenant, B. Relâche pour tirer. Et voilà, j'ai le rayon de charge. Maintenant, mes rayons sont plus puissants. Les ennemis ont intérêt à se cacher. Parce que là, on n'est plus là pour déconner. Hein. Et vous verrez qu'à la fin de l'aventure, Samus sera tellement équipé que plus rien ne nous arrêtera. C'est le but, tu me diras. Unité de sauvegarde, on s'en fout. On va continuer notre aventure. Nous. Alors là, il y a une bestiole sur soi. Toute seule, elle vaut rien, mais à plusieurs, elle vous pompe l'énergie. On va faire gaffe à ça un petit peu plus tard. Ok, alors ça, il y a des bestioles là. On va y aller, speed. Ok, c'est bon, ça passe. Ouh, il y en a de plus en plus. Ok, alors déjà ici, il y a un petit passage pour récupérer. Vous allez voir quoi. Allez. Une recharge de missile. Une réserve. Va falloir que je me dise dans ma tête que c'est plus une recharge, mais une réserve. Ok, c'est bon. Maintenant, on va continuer à droite. Parce qu'en bas, de toute façon, on peut pas y aller. Voilà. Et on continue. Et on spam, et on spam, et on spam. Voilà. On va descendre. Alors ici, on peut pas y aller tout de suite. Ici, comme on peut voir sur la carte en haut, il y a un cercle. Le cercle signifie qu'il y a un item pas loin. L'item se trouve juste là. C'est une réserve de missiles. Ça m'en fait déjà 3. Un peu mal. Et une réserve d'énergie. D'ailleurs, chose que je voulais préciser, c'est que maintenant le cercle est devenu un point blanc là-haut. Ça veut dire qu'on a bien récupéré notre réserve d'énergie, de missiles ou quoi que ce soit d'autre. Oh, tu te calmes toi. Ok, on va voir un petit peu plus loin qu'est-ce qu'il y a. On va descendre. Voilà, ici. Ah, le terminal des cartes, ça c'est très important. On va pouvoir charger toute la carte de la zone dans la combinaison de Samus. Et maintenant, on a accès à toute la carte. Ce qui sera fort pratique quand on sera perdu. Voilà. Donc les zones en bleu, ce sont les zones de la carte qui sont connues. Et les zones en vert, ce sont les zones cachées. On verra plus tard que les zones en vert, de toute façon, on est obligé d'y passer au bout d'un moment. Ok. Aïe. Eh oh, tu te calmes, toi. On va passer par là. Ici, il y a
une sauvegarde. On s'en fout aussi. On continue, nous. On va passer par là-bas. Ici, un petit passage. Et une porte fermée. Et un autre item. Qu'est-ce que c'est? Les bombes. Voilà. En boule morphine, pose une bombe avec B. Et donc maintenant, ces espèces de blocs, on va pouvoir les péter. Et ici, il y a un petit passage secret pour récupérer une autre réserve de missiles. Voilà. D'ailleurs, la particularité de ces bombes, vous avez pu le voir, c'est que je peux sauter avec. Si je pose une bombe en dessous de moi. Allez, maintenant on va sortir. Et comme on peut voir, la porte est fermée. Je sais pas si vous entendez derrière, mais on entend des petites bestioles là-haut. Répétez ça, on va voir. Oh là. Et vous allez voir qu'elles vont pomper mon énergie si je fais rien. Faut que je les détruise toutes. Voilà, il en reste une. Voilà, c'est bon. J'avais 99, il m'en reste 95. Hein. Donc ça pompe bien l'énergie. Oh là. J'y suis allé comme un fou là. Très bien. Maintenant que j'ai les bombes, où est-ce qu'on va aller? On va aller ici. On va ressortir. Ok, c'est bon, j'ai pris assez d'élan. Ouh. Ok. On va pouvoir descendre ici. Oh, il y en a, y a pas mal de bestioles là, ça m'embête là. Aïe. C'est bon. Oula, oula. Eux ils sont plus rapides, hein. Et rouges, mais ils sont plus résistants aussi. Ok. En avant toute. Alors. On bombarde, on détruit tout ce qu'il y a, comme ça on passe tranquille. Un petit missile. Ah. Une autre statue Chozo. Qui va me dire où il faut aller. Ok, il me demande d'aller sur Norfair. Bon, on va y aller. Hein. Et il me recharge mon énergie et maintenant mes armes. Et oui, parce que j'ai des missiles maintenant. Si j'utilise un missile, je vais pouvoir les recharger. Oula. Ok, c'est bon. Et on va remonter. Ok, une petite bombe. Voilà. Aïe, tu vas me faire mal, toi. Dégage. Ok. Donc là, la machine arrière, hein, c'est quand on regarde sur la carte, nous sommes là. Il va falloir redescendre en bas. Donc on va y aller. On va descendre en bas. Hop là. Tiens, d'ailleurs, je crois qu'on peut descendre par là. Ouais, on peut descendre par là. Ah oui, ici, c'est un petit passage pour récupérer une autre réserve de missiles. Alors, il y a cette méthode-là pour la récupérer. Ah, raté. Vas-y, cool. Vas-y, là. Arrête de devenir grande. Voilà. C'est bon, tu peux redevenir grand. Non, c'est ma croix directionnelle, elle fait n'importe nawak. On va y arriver, hein. On va pas y arriver. Je vous ai dit qu'on va y arriver. Voilà. Une réserve de missiles obtenue. Donc il y avait soit cette méthode, soit une autre méthode que j'utilisais il y a très longtemps, c'était ça. C'était de bombarder les bombes. Et en fin de compte, au bout d'un moment, on va commencer à sauter de plus en plus haut. Mais bon, je vous le déconseille, c'est très long et très chiant à faire. Ok, laisse-moi passer tout. Allez, voilà. Et on est reparti. On a déjà 25 missiles, c'est pas mal. Ok, maintenant on va descendre. On va y aller tranquille, parce que j'ai pas envie de me faire avoir. Dégage-toi. Oh, c'était moi une. Ok, ah oui, ce passage-là. Tout au fond, il y avait un endroit... Ouh là, tout au fond, il y avait un endroit qu'on pouvait pas passer. Maintenant, on va pouvoir y aller. Voilà. Là, par contre, il y a pas mal de bestioles.
Mais c'est bon. Il n'y a pas tant que ça finalement. Et l'ascenseur pour descendre à Norfair. Oh, Mother Brain. Elle a un œil sur nous, faut faire gaffe. Hein. Ok, on est arrivé. On peut descendre par là. Là, l'unité de sauvegarde, on va pas y aller, on s'en fout. On va aller à gauche. Ok. Ok, vas-y, dégage-toi. Oh, il y a une bestiole, oh, il y a une bestiole. Non. Alors là, pareil, vous avez la possibilité de vous mettre en boule et de sauter pour récupérer l'item qui est là. Ou attendre d'avoir un autre item pour pouvoir la récupérer. Moi, je vais attendre. On va faire ça dans les règles. Ok. Ça passe. Alors, on va monter. On n'a pas le choix. Hein. Où est-ce qu'on va aller, là? Oh, on va à Crateria. À gauche, qu'est-ce qui se passe? À gauche, on peut pas passer. Ah. Ok. En tout cas, les décors, le level design est vraiment magnifique. Hein. Moi qui crée des petits jeux, des petits niveaux de plateforme sur Super Mario, je kiffe. Hein. Yeah. Et ici, il y a une autre réserve de missiles. Ok. On va monter. Par là-bas, il y a quoi ? Alors là-bas, de toute façon, on peut pas y aller. Il faut que j'ai le costume de gravité. Chose que je n'ai pas. Parce que là, comme on peut le voir, je suis quand même très ralenti par la flotte. Hein. Ok. Allez, monte. Ok. Ah, nous sommes dans les ruines Chozo. On peut passer par là. Ouais, on peut passer par là. Ah, ici, il y a un item. On peut pas le récupérer tout de suite. Enfin, pas tout de suite. Dans quelques secondes. Objet inconnu. Analyse non concluante. Objet incompatible. Donc c'est un objet incompatible. Mine de rien, ça nous permet de détruire ces blocs. Enfin, de détruire. Ça les détruit pas, ça les fait disparaître ou téléporter, je ne sais pas. Et voilà, la réserve de missiles obtenue, c'est bon. Sortir de là et là-haut maintenant ça brille, on va pouvoir passer là. Allez, allez, voilà. Alors vers la droite il y a quoi? Vers la droite on ne peut pas y aller. Très bien, et bien on avance. Oh, je rentre dans la gueule d'un chozo là. Oh, je tombe, je tombe. Qu'il faut faire, faut passer par là. Ok. Ah, et un autre item, la poigne de fer. C'est cet item là que je parlais tout à l'heure pour récupérer la réserve de missiles en hauteur. Permet d'agripper les rebords et corniches. Oui, forcément. Maintenant on peut s'agripper comme ça. Oh, qu'est-ce qui se passe là? La statue elle monte là. Hey! Hey! Monte pas trop vite, hein! Allez! Ok, il y a des rebords qui ont été créés. On va pouvoir remonter tout en finesse. Voilà. Ok, là on n'a pas le choix, on est obligé de passer par là. Oh, oh, vas-y! Ok! Et on se retrouve sur la map bleue. Ah, et voici notre vaisseau. Bah écoutez les amis, on va sauvegarder ici. Et puis on se dit à une prochaine pour la suite des aventures de Samus Aran dans Metroid Zero Mission. Sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde.